Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samagata sarvata eva sarve. Samagata sarvata eva sarve. Vedayata murti dharastri prishte. Vedayata murti dharastri prishte. Nehatanamudrachakaschanartha Rite paranugraham atmashilam. Rite paranugraham atmashilam. Traduction. Vous qui êtes de grandes âmes glorieuses comme les Védas, vous êtes venus de différents endroits de l'univers comme Satyaloka. Vous n'avez pas de motif égoïste. Vous visitez différents lieux dans l'unique but de bénir des personnes pour leur donner l'illumination spirituelle. Telle est votre disposition naturelle. Commentaire. Srila Vishvanathacharya Thakur cite Parikshit. Vous êtes comme les Védas, situés dans Satyaloka, la planète de Brahma. Fin de la citation. Ayant parlé de leur grande connaissance, il parla de leur grande miséricorde. Vous n'avez pas de but, excepté celui de donner la miséricorde aux autres. Telle est la nature des sages. L'univers matériel est divisé en différents systèmes planétaires, dont la planète la plus élevée est celle de Brahma, Satyaloka. Sur cette planète, les habitants ont une connaissance parfaite des Védas, puisque Brahma la reçoit directement du Seigneur, dans sa forme de Mahapurusha. Sur cette planète, Brahma a une relation avec le Seigneur, en tant que son fils. Parfois, les êtres qui vivent à Satyaloka, qui sont sans intérêt personnel, satisfaits en eux-mêmes et éveillés au savoir spirituel, sont envoyés sur l'ordre du Seigneur sur la terre, et ils y jouent le rôle de Messie. De cette manière, ils apparaissent sur terre afin de libérer les âmes déchues. Leur nature est d'aider les êtres qui souffrent en ce monde. Just translate the last paragraph. So sometimes beings who live in Satyaloka, who are devoid of personal interest and they are self-satisfied and awakened to spiritual knowledge, they are sent by the order of the Lord on the earth, and they act there as Messiah. In this way, they appear on earth in order to liberate fallen souls. Their nature is to help others, is to help beings who suffer in this world. In this world. Omagyati mirandasya gyananjana shalakaya chakshurun midaitam yena tasmai shri guruvi namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganaragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhandvitam Stra Hey Krishna Karuna Sindha Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatrubhyascha Kripasindubhyeva Chapititanan Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. J'ai demandé les bénédictions de Shri Gurudev, tous les dévots. Nous avons un verset très intéressant. Ça explique la nature des les âmes très grandes. Ils sont toujours, ils ont toujours la compassion, beaucoup de compassion. Et on peut voir, par exemple, dans la vie de Srila Prabhupada, ça c'est comme la qualité peut-être le plus qu'on peut voir, la compassion, la nature compassion. Peut-être un petit peu anglais aussi. So this is very interesting. Donc ça c'est très intéressant. This is reminding us that we're not alone. Et ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nowadays, people think there may only be life on the Earth planet. De nos jours, les gens peuvent penser il y a sûrement la vie que sur notre planète Terre. It's like thinking, I think I'm the only person living in this neighborhood. C'est comme si on pensait, je pense que je suis la seule personne vivante dans tout ce quartier. Because I didn't see anyone else, so. Parce que j'ai vu personne d'autre, donc. It's just for me. Donc c'est juste pour moi tout ça. But here we hear there's this universe is very diverse. Mais ici on peut voir, il nous est dit que cet univers est très diversifié. And what I find interesting is that in Kali Yuga. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le Kali Yuga. There is no longer such a very clear distinction between the planetary systems, you could say. Il y a plus vraiment cette distinction claire entre les systèmes planétaires. In the Kali Yuga, we have more. We see a very strong decline of religion on this planetary system. Dans l'âge de Kali, on peut voir dans ce système planétaire un très fort déclin de la religion. And it's really the consciousness that determines who we are. Et c'est vraiment la conscience qui détermine qui nous sommes. We may have this human body. On peut avoir ce corps humain. But based on how we act, we'll determine if we have come to the level of, according to the Vedic standard, a civilized human being. Mais selon la manière dont on agit, on peut voir si on est réellement au niveau de ce que les Védas disent être la société humaine. So for this reason, the Lord and his devotees, they give the Vedas. Donc c'est pour cette raison que les dévots et le Seigneur, ils donnent les Védas. The Vedas are like the mother. Les Védas sont comme la mère. The mother. Actually, one can never repay the debt to the mother. En réalité, on ne peut jamais rembourser la dette qu'on a envers notre mère. When Krishna went to Gurukul, quand Krishna est allé au Gurukul, when Krishna was in Mathura, quand Krishna était à Mathura, and then he and Balaram had some fun with the wrestlers. Donc lui et Balaram, ils se sont amusés un peu avec les lutteurs. And the ladies in the assembly, they said. Who can stay and watch this fight? Et les femmes dans l'assemblée, elles se sont dit, mais qui peut rester ici à regarder ce combat? It seems that religion has already left this assembly. On dirait que la religion est déjà partie de cette assemblée. Just look at Krishna and Balaram, they're so tender. Regardez Krishna et Balaram, ils sont tellement tendres. Their arms are so soft. Leurs bras sont tellement doux. And this Chanur and Mustika are like lightning bolts. Et ces deux Chanura et Mustika, ils sont comme des éclairs. But it was a very lively match. Mais c'était un match très mouvementé. First, Krishna and Balaram, they fought very. It was very dramatic. Donc, il y avait beaucoup. C'était très
comme tu veux dire, dramatique. How can you say? It's difficult in French, this one, exactly. C'est très intéressant. C'était. No one knew who was going to win. There was a lot of fear. Il y avait beaucoup de. Personne ne savait vraiment qui allait gagner. But finally, Krishna and Balaram just finished the big wrestlers. Quand même, à la fin, Krishna et Balaram, ils ont gagné, ils ont terminé le combat. Balaram just slapped, I think, Mushtiq. Je crois, si je me souviens bien, Balaram, il a giflé très très fort. So we really have to meditate on the small boys. Maybe Gauravani, how old are you? Tu as quel âge, Gauravani? C'est comme deux ans. C'est like Gauravani. C'est un peu comme Gauravani. And what's your brother's name? What? Ah, c'est quoi le nom de ton frère? Non, ton. Le nom de ton frère. C'est comme Madhava et Gaurananda. C'est un peu comme Madhava et Gauravani. And then you have like these big professional wrestlers. Et en face, vous avez ces grands lutteurs professionnels énormes. So it's quite a scene. Donc c'est vraiment une scène très frappante. And if they win, then you think, wow, this is really special. Et donc s'ils gagnent, on se dit, wow, ils sont vraiment spéciaux. So Krishna's pastimes, they're so human-like. Donc les divertissements de Krishna sont très semblables à ceux des humains. Krishna could just come in the universal form. Krishna aurait pu venir sous la forme universelle. Nishingadev. Ou Nishingadev. Just, that's one humor. Et donc ça c'est une autre humeur. But when Krishna comes, it's something we can relate to very much. Mais quand Krishna vient, c'est quelque chose avec lequel on peut vraiment dans lequel on peut vraiment se retrouver. So the Vajrasis are really captivated. These boys are special. Donc les Vajrasis étaient vraiment captivés. Ils disaient, really ces garçons, ils sont vraiment très spéciaux. Them. Il y a vraiment quelque chose de différent à propos d'eux. I don't know what they could be demigods. On ne sait pas. Peut-être que ça pourrait être des demi-dieux. They're very strong. Ils sont vraiment très forts. Maybe they're the supreme personality of God. Peut-être qu'ils sont la personne suprême de Dieu. So then, after this, Krishna and Balaram went to Gurukul. Donc ensuite, après ça, Krishna et Balaram, ils sont allés comme à l'école au Gurukul. They took diksha. They received brahminical initiation. Ils ont pris diksha. Ils ont Gargamuni. Reçu l'initiation brahmanique de Gargamuni. And then they went to the Gurukul of Sandipani Muni. Et ensuite, ils sont allés au Gurukul de Sandipani Muni. And there they very quickly learned all of the Vedic arts. Et là, très rapidement, ils ont appris tous les arts védiques. And at that time, they were after satisfying their teacher, they wanted to give some guru dakshin, generally the remuneration to the guru for the learning received. Et donc ensuite, ils ont satisfait leur maître spirituel et ensuite ils ont voulu lui donner ce qu'on appelle guru dakshin. Donc c'est pour remercier, c'est un cadeau, une offrande pour remercier le maître spirituel de ce qu'il a enseigné. And it was such a pleasure for Sandipani to have Krishna Balaram as his students. Et pour Sandipani Muni, c'était un grand plaisir d'avoir Krishna et Balaram comme ses étudiants. He said this is the best gift to have such wonderful disciples. Il a dit c'est le meilleur cadeau que d'avoir de tels disciples. But his wife had lost her son. Mais sa femme avait perdu son enfant. So they asked Krishna Balaram, please, can you go return the lost son? Donc ils ont Sandipani Muni, il a demandé s'il vous plaît Krishna Balaram, est-ce que vous pouvez aller retrouver cet enfant perdu? And at this time, it was explained. Krishna speaking, as far as I recall, and he said that one can never repay one's debt to the parents. Donc si je me souviens bien, Krishna il a dit à ce moment. On ne peut jamais repayer la dette qu'on a envers nos parents. He said, if one is able to take care of, et donc il dit, si quelqu'un a la possibilité de prendre soin, young wife, chaste wife, une jeune femme, une femme chaste, dependent children, des enfants qui sont dépendants, elderly parents, des parents qui sont âgés, or the spiritual master, ou du maître spirituel, but one doesn't do so. Mais que donc si quelqu'un a la possibilité de prendre soin de ces personnes mais qui ne le fait pas, they face a very bad reaction. Alors ils encourent des réactions très sévères. Said they have to eat their flesh. Il s'est dit ils vont devoir manger leur peau. Because the debt that one has from such
individuals is very great. Parce que la dette qu'une personne a envers ces personnes est très grande. Now in this way, this is the way that great Mahatmas dedicate themselves on this principle. Et c'est de cette manière, sur ce principe-là, que les grandes âmes, les grands Mahatmas, dédient leur vie. Prabhupada says one can never repay one's debt to the spiritual master. Prabhupada, il dit, quelqu'un ne peut jamais repayer la dette qu'il a envers son maître spirituel. One who thinks they can repay the debt is called a laughing stock. Et quelqu'un qui pense qu'il peut repayer cette dette, c'est un idiot et on rit de lui. It's a joke. So what big debt we all have? Donc quelle est cette grande dette qu'on a tous? What can we do? Qu'est-ce qu'on peut faire? It said that you can never repay the debt, but one has to try to repay the debt by distributing the knowledge that one has received from the spiritual master. Donc c'est expliqué, on ne peut pas repayer cette dette, mais on peut essayer de la repayer en distribuant ce même savoir que nous on a reçu. This is how we can try to pay back the spiritual master. C'est de cette manière-là qu'on peut essayer de rembourser le maître spirituel. So we see the great souls, this is their life and soul. Et donc on voit que les grandes âmes, c'est ça leur vie et leur âme même. We see how much Srila Prabhupada, he took the mercy of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his guru. On peut voir comment Srila Prabhupada, il a pris cette miséricorde de son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Who had instructed him, you should spread this message in the English-speaking world. Qui lui a donné cette instruction, il a dit, tu devrais répandre cette connaissance dans le monde anglophone. Because all the world is trying to emulate this culture. Parce que le monde entier essaie de s'inspirer, de faire comme cette culture. So if Krishna Bhakti becomes popular there, donc, it can very easily spread all over the world. Donc si la Krishna Bhakti devient populaire à cet endroit-là, alors ça deviendra attirant et populaire dans le monde entier. It's true because people are very impressionable. Et c'est vrai parce que les gens ils sont très impressionnables. Vraiment. Because just by doing the ads for something. Parce que par exemple juste en faisant une publicité pour quelque chose. You see an ad once, you just think okay. Vous voyez une publicité une fois, on se dit okay. But then you see it three or four times. Si on le voit deux ou trois fois. You know, maybe it's a good product. On se dit peut-être que c'est un bon produit en fait. And then you see it everywhere. Et ensuite vous le voyez partout. You see all your friends have it. Et vous voyez que tous vos amis ont cette chose là. And then you think, I have to get this. Et donc on se dit moi aussi il va falloir que je l'achète. Hein. Just by the power of repeatedly seeing. Simplement par le fait de voir cette chose-là de façon répétée. So the mass of people, we tend to just follow what everyone else is doing. Donc la masse des gens, elle a cette tendance de suivre ce que tout le monde d'autre, ce que tout le monde fait. This is a very powerful principle. Donc ça, c'est un principe très très puissant. They've done studies how people start doing something very bizarre. Et ils ont fait des études, comme par exemple des gens qui commencent à faire des choses très étranges. Like, I saw one study, there was just a lot of people on the side of a mountain, like on a hill. Donc j'ai vu une étude, par exemple, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur un côté de la montagne, un versant. And they arranged some study. So they had one person just start like dancing very weird. Et donc ils ont demandé à une personne de commencer à danser, mais d'une manière un peu étrange. And then someone else joined. Et ensuite quelqu'un l'a rejoint. And now they have two people. Et donc ils étaient deux à danser. And they're narrating that now it's becoming a more commonly accepted thing. Et donc peu à peu c'est devenu une chose un peu plus acceptée. Then two or three more people join. Donc ensuite deux ou trois autres personnes ont commencé. Eventually à jouer they reach a critical mass. Et ensuite ils ont atteint un niveau critique. And once they have 10 or 15 people, it becomes like a popular thing. Et une fois qu'il y a 10 ou 15 personnes qui l'ont fait, c'est devenu une chose populaire. And then little by little, then everybody goes. And then in a short time, the whole people are just doing this weird dance. Et après quelques temps, tout le monde a rejoint finalement et tout le monde faisait cette danse un peu étrange. So this is the principle also that can be used for spreading devotion. Donc c'est ce même principe qu'on utilise pour partager et répandre la dévotion. Just by it becoming more prominent in this world, people are more likely to take it up. Simplement en devenant plus important dans ce monde, alors les gens auront plus de chances de l'accepter aussi. So this was Prabhupada's. It says here, this is their natural disposition to give spiritual illumination. Donc il dit ici, c'est leur nature de donner et d'aider les êtres dans ce monde.
to sacrifice. Et de se sacrifier aussi. This is also one example we have of Madhavendra Puri. Donc ça c'est aussi c'est un exemple qu'on a de Madhavendra Puri. To sacrifice to please the Lord. Se sacrifier pour satisfaire le Seigneur. When his deity Gopal in Govardhan. Quand sa déité Gopal à Govardhan. I recently found out they do studies about the hottest place in the whole world. J'ai vu récemment qu'ils font des études sur les endroits les plus chauds de cette planète. It's Govardhan. It's Govardhan. It's the hottest place in the whole world. So Gopal deity was there and he told Madhavendra, I'm feeling hot. Et donc cette déité Gopal, elle était là, elle lui a dit, Madhavendra Puri, je commence à avoir chaud, j'ai très chaud. Go to Jagannath Puri and bring back some sandalwood. Donc, va à Jagannath Puri et ramène-moi de la pâte de santal. So immediately he went. Donc il est parti tout de suite. He went through so much difficulty, there's like dacoits, robbers, thieves. Et il a rencontré tellement de difficultés sur le chemin, des bandits, des voleurs. But for him, he took it as mercy, as mais pleasure. Pour lui, il l'a perçu, il l'a ressenti comme une miséricorde, comme un plaisir. To do this for his Lord. De faire tout ça pour son Seigneur. So the great devotees, they feel this is actually a pleasure to sacrifice for my Lord. Donc les dévots, ils ont aussi ce sentiment, ils pensent c'est un plaisir de faire ce sacrifice pour mon Seigneur. So we can meditate on this and aspire to develop this mood. Donc on peut méditer sur cette chose-là et aspirer à obtenir cette disposition. So yes, there are many planetary systems. Donc oui, il y a beaucoup de systèmes planétaires. In the higher planets, they have perfect knowledge of the Vedas. Et donc, dans les planètes supérieures, dans celles de Satyaloka, ils ont une connaissance parfaite des Vedas. So our mission is to help disseminate this spiritual knowledge to the world at large. Et donc, notre but, notre mission, c'est de répandre cette connaissance spirituelle à travers le monde. And we have this phrase, Jiva Jago. Donc on a cette phrase Jiv Jago. It's like if you go in the neighborhood very early, everyone is sleeping. C'est comme si vous baladez dans votre quartier très tôt le matin, tout le monde dort. It's very mystical at night or in the early morning. It's like everything is quiet. C'est très mystique très tôt le matin ou pendant la nuit, tout est il y a pas de bruit. The whole world is just sleeping. Le monde entier est endormi. There's not so much activity going on. Il y a très peu d'activité. So we could say like this, without spiritual knowledge, all living beings in this world are just sleeping. Donc on peut dire que sans connaissance spirituelle, toutes les âmes, toutes les entités de ce monde, elles sont comme endormies. But the Mahatmas come and wake us up. Mais les grandes âmes, elles viennent et elles nous réveillent. With this spiritual sound. Avec ce son spirituel. Shabda Brahma. Shabda Brahman. And they come in all cultures. Et ils viennent dans toutes les cultures. We hear here from Brahma Loka, one can come as a messiah. Donc, il est dit ici, par exemple, que quelqu'un peut venir de Brahma Loka comme un messie. So this is Krishna's mercy. He's continually bringing knowledge and great souls to everyone. Donc ça, c'est la miséricorde de Krishna. Il sans cesse, il amène et il envoie des grandes âmes à tout le monde. So the proper respect has to be given regardless of religion, culture. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours donner le bon respect, peu importe la religion, peu importe la culture. And that's what is unique about our philosophy, that it's non-sectarian. Et c'est ça qui est unique à propos de notre philosophie, c'est qu'elle n'est pas sectaire. When most people think of religion, they think of some sectarian. Ours is the best, ours is the only way. Lorsqu'on utilise le mot religion, les gens pensent souvent à quelque chose de très sectaire où il y a seulement il y a juste moi ma voix c'est la meilleure. So religion is bad because of this. Et donc la religion est mauvaise à cause de cette idée-là. But Vaishnavism is actually non-sectarian. Mais en réalité le Vaishnavisme n'est pas sectaire. So we can present a spiritual path that is universal. Donc c'est pour ça on peut présenter une voie spirituelle qui est universelle. And people really appreciate this.
Et les gens apprécient cette chose-là réellement. They never heard this before. Ils n'ont jamais entendu parler de ça avant. So like this, we have a very important mission. Donc, de cette manière, on a une mission qui est très importante. I think I'll pause here. See if anyone would like to add. Ici, est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose? What's your realization about this? Quelles sont vos réalisations à propos de ça? Anyone like to share something? Gurudev. Here's Gurudev. Ouais, donnez celui-là. Peut-être tu peux diriger le film. On m'a gagné un petit bilan dessus. Genam, genam, charakai. Chaque jour, on me dit tam, jenatas, me, shikula, venama. En fait, le Seigneur suprême n'est pas sectaire, parce qu'il est l'origine de toutes les voies. Mais tant qu'on n'a pas réalisé le Seigneur suprême et qu'il ne nous a pas expliqué directement qu'il est l'origine de toutes les voies, c'est très difficile de ne pas être sectaire. Donc, c'est pourquoi que dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, où le Seigneur lui-même n'a pas enseigné une religion, mais a donné l'amour de Dieu. La preuve, c'est le Chankasi, par exemple, qui était musulman et qui a une lignée de musulmans, donc qui a reçu l'amour de Dieu de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, on a un grand litige parce que le Seigneur est venu amener quelque chose de tellement grand, mais il y a tellement de sectarisme dans notre mouvement. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on parle de non-sectarisme, mais on est très sectaire. Moi, j'ai vu des choses aussi grandes et fermées que partout ailleurs. Et même pire encore. Pourquoi? Parce que là où il y a la chose la plus merveilleuse et non-sectaire, il y a la chose la pire aussi. Naturellement. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il est Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues. Il est venu dans le flot de sa miséricorde délivrer tous les êtres. Et naturellement, c'est très large, la qualification des êtres qui joignent le mouvement de Mahaprabhu. Et c'est pour ça qu'on trouve les choses les plus élevées comme les plus basses. Et les gens sont confus avec ça. Parce que les gens ont dit, nous on n'est pas sectaire, mais en fait, on agit avec beaucoup de violence en disant que les autres ne sont pas qualifiés. C'est la même chose, qu'on est les seuls à être délivrés. On voit la même chose. Même, on peut voir même, comme chez les chrétiens par exemple, où il y a les évangéliques, les protestants, se dire qu'il n'y a que chez eux qui vont être délivrés et pas chez les évangéliques, où les évangéliques vont traiter, par exemple, les catholiques de chrétiens endormis, par exemple, eh bien, c'est la même chose. Tu vois dans les maths, ISKCON, les Gaudiya Math, etc., ils se battent tous comme des chiens et des chats. C'est la même chose. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un véritable leader, c'est quelqu'un qui doit au moins avoir rencontré le Seigneur face à face. Il doit recevoir directement les instructions du Seigneur dans son cœur. Et ça ne peut pas être quelqu'un de sectaire. Or, on voit que même les soi-disant grands Vaishnavas, moi j'ai vu ça, ils critiquent les uns et les autres. C'est dommage. On devrait plutôt enseigner l'unité dans la différence, comme Chaitanya Mahaprabhu a enseigné. Et de l'art harmonisé. Si le professeur il fait ça, les élèves suivent.
Mais en réalité, parce qu'on n'a pas le pouvoir de garder les gens avec nous, parce qu'on n'est pas puissant, on n'a pas d'amour, alors on va critiquer les autres pour pas que les gens qui sont avec nous aillent rejoindre les autres. Et c'est pour ça. C'est parce qu'on a attaché au pouvoir. On crée, on matérialise l'institution. Il n'y a qu'un mouvement, c'est le mouvement de Mahaprabhu. Mais en fait, parce que les leaders, ils ne sont pas qualifiés, ils l'ont divisé et ils ont amené la guerre entre les uns et les autres. Parce que si Chaitanya Mahaprabhu y revenait, qu'est-ce qu'il ferait? Il devrait se diviser, quoi, se multiplier pour aller dans chaque mat. Vous comprenez, hein? Il devrait prendre 10 formes, 20 formes, 100 formes, 1000 formes, pour que chacun soit satisfait. Non, en fait, si Chaitanya Mahaprabhu y revenait, il y aurait la puissance de l'amour de Dieu. Et tout le monde laisserait son identification, lèverait les bras et pleurerait, et chanterait ensemble. C'est juste parce que il n'y a pas d'acharya assez puissant pour réunir les uns et les autres. On n'a pas vu ça encore. Si le Seigneur descendait lui-même, alors tout le monde serait réuni. C'est juste ça. Quand Chaitanya Mahaprabhu était présent sur Terre, les gens délaissaient leur conception d'être un homme, une femme, une famille, tout. Ils oubliaient tout. Simplement, leur réalité éternelle se manifestait. Mais on n'a pas vu un tel pouvoir. Même dans nos acharyas, ils ont fait un mouvement. Mais ils ont pas, ils n'avaient pas ce pouvoir de dévoiler la Swaroupa à tout le monde et que tout le monde soit délivré. On n'a pas vu ça. Il y a un certain amour, il y a une certaine miséricorde, mais pas autant que Mahaprabhu. Quand le Seigneur descend, c'est très puissant. C'est pour ça qu'il y a du sectarisme. C'est normal. Hein?